entend. And let heavens hear. Et que les nations entendent. And the nations hear. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu as suivi par les médias, la radio et autres. Maybe you have been following us online or over the radio. Ou bien TV. Comme cette tranche arrive quand certains dorment déjà. And maybe since during this slot, many people are already sleeping. Nous avons décidé. We have decided que nous allons laisser que Dieu nous moule. That we shall allow God to mold us. Dieu doit nous mouler. You must be moulded. Molded. Parce que Dieu veut des hommes d'État. Because God wants statesmen. Pour accomplir ses desseins. To accomplish his purposes. Donc, so, et la chanson vient de dire. And the song says. Pour arriver à ce niveau, Dieu nous fait passer par le feu, par des problèmes. To get there, God takes us pour through nous fire, purifier. Difficulties. Donc tu peux accepter comme tu peux refuser. Mais nous avons décidé. But we have decided. Pour accomplir notre but. To accomplish our goal. Que nous allons nous laisser mouler par Dieu. We shall allow God to mold us. Et nous avons décidé que pendant 40 jours, nous allons le proclamer Amen. Chaque jour. And we have decided that during the 40 days, we now shall for 40 proclaim days. It. Now for these 40 days. We have decided that for these 40 days, we shall proclaim it every night. Ainsi, ça entre cette oreille, ça descend dans l'autre oreille qui est dedans là-bas. So that we enter through your upper ears and go right into the ears in your heart. Et ça devient comme un rêve. Tu dors. And become part je and parcel proclame. Of you. Je so proclame. That even your dreams you can proclaim. Je veux me laisser mouler par Dieu. I will allow God to mold me. Pour être ce homme d'état. Into the spiritual statesman. Qu'il veut. That he wants. Pour accomplir ses desseins. To accomplish his purposes. Ça vient dans les rêves. Even in your dreams. Ça vient. Et tu te retrouves en train de te laisser mouler et de devenir ce homme d'état. Molded by God into the spiritual state. Alléluia. Alléluia. Donc on va projeter la proclamation là sur l'écran. So this tu peux lire ici, tu peux lire là-bas ou the sur l'autre écran. The proclamation will be projected on the screen. Donc you comme c'est la première fois, je supplie les autres de leur donner l'opportunité de proclamer. So I plead with the others to give them the opportunity to proclaim. Amen. Amen. Non, tu ordonnes à tous les autres de céder la place. Donc, vous pouvez donc vous placer par ici pour you can vous stand regarder here so comme ça. You celui qui voit screen. Bien peut toujours voir là-bas. If you see far, you can read on that other screen. Donc, vous vous placez, celui qui peut lire ici, lit là. If you can celui read qui from peut lire là-bas. You read, or from this other one. Nous allons commencer par en anglais. Tous ceux qui proclament en anglais. We shall begin by proclaiming in English. Donc, those who proclaim tous ceux in qui English, proclament en anglais. Those who are proclaiming in English. Vous vous approchez. Ils n'ont pas de micro you ici. Start. Ok. Tous ceux ici, c'est en anglais ou en français? Bon. Laissez d'abord que ceux qui proclament en anglais, comme ils sont plus nombreux, qu'ils finissent. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishments of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. In Jesus' name, amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. In Jesus' name, amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God,
to be that spiritual state man that he wants for the accomplishment of his purposes in Jesus' name. Amen. Amen. I proclaim that I will be that. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual state man he wants for the accomplishment of his purposes in Jesus' name. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual state man he wants for the accomplishment of his purposes in Jesus' name. Amen. Amen. I proclaim that I allow myself to be molded by God to be that spiritual state man you want for the accomplishment of his purposes in Jesus' name. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual state man he want for the accomplishment of his purposes. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual state man he wants for the accomplishment of his purposes. Jesus' name, amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Jesus' name, amen. 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 I proclaim that I will allow myself to be molded by God, to be that spiritual state man he wants for the accomplishment of his purposes. In Jesus' name. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être ce homme de l'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qui veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qui veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame
que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. 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 Je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je veux me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qui veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qui veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Nous allons prendre 3, 3, 3, 3, 3. Allons-y. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais dejar moldear por Dios para ser la mujer de estado espiritual que él quiere para el cumplimiento de sus propósitos. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins dans le ministère. Amen. Amen. Et je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be the spiritual statesman he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins dans notre ministère. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to become that spiritual statesman that he wants for the accomplishment of his purposes. In Jesus' name, amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God so as to be that spiritual statesman that he wants for the accomplishment of his purposes in our ministry. In Jesus' name, amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins dans notre ministère. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be molded by God to be that spiritual statement that he wants for the accomplishment of his purposes. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu
pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer. We shall this time proclaim pour les dirigeants de notre ministère au Cameroun. For the leaders of our ministry in Cameroon. Amen. Amen. On attend. We proclaim. Ok. We proclaim. Attends. We proclaim. Attends. On te comprend. Nous proclamons, j'ai dit les dirigeants. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. In English, we proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroon will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership which the Holy Spirit will possess and use to accomplish our goal. Amen. Nous allons d'abord le proclamer ensemble trois fois. We shall first of all proclaim it together three times. Après, nous allons prendre trois de chaque rangée. After that, three persons from each line will donc, do it. Donc, proclamons donc d'abord ensemble. Allons-y. Go. Nous we proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun will allow themselves to be ordered by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use for the accomplishment of our goal. Amen. Deux. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroon will allow themselves to be ordered by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use to accomplish our goal. Amen. Trois. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroon will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use for the accomplishment of our goal. Amen. Amen. Au revoir. Go. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroon will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use for the accomplishment of our goal. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour l'accomplissement de notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun
vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. 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 Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère vont se laisser mouler par Dieu au Cameroun. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère, un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère, un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but au Cameroun. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un ministère et un organe de direction que le... Attends, reprends. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour l'accomplissement de notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour l'accomplissement de notre but. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroon will allow themselves to be molded by God to form this body of ministry and this organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use for the accomplishment of our goal. Amen. 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 Amen.
Hier, on a décollé d'ici. Yesterday, we took off from here. On est allé dans un certain nombre de pays. And went to a number of nations. Nous sommes allés vers un pays. La tempête était trop forte. On a dû rebrousser le chemin et revenir à la base. We landed on a in a nation. And non, on n'a pas atterri. Okay. We wanted to land in a nation, and the conditions were so rough that we came back. Et nous sommes revenus à la base. We came back to the base. Donc nous voulons décoller pour aller encore vers ce pays-là. So we shall take off now to land in that nation. Qui connaît le pays? Who knows the nation? C'est Haïti. Haïti. Haïti est où? Parce where is Haïti? Il faut que pendant qu'on navigue, qu'on sache là où on part. So that we should know where we are navigating to. Je suis sûr que plusieurs doivent déjà savoir où se trouve Haïti. I'm sure many people know where Haïti is. Oui, Haïti est où? Gloire à Dieu. Amen. Haïti, un pays de l'Amérique du Nord. Bon. Quand c'est dans l'avion, c'est en seconde. Quand tu fais comme ça, on risque de dépasser et aller atterrir en Asie du Sud-Est. C'est un pays de l'Amérique du Nord. Il est voisin de la République dominicaine à l'ouest, à l'est plutôt. Et il est arrosé par l'océan. Tu vois, on a déjà changé le cap plusieurs fois. Parce que dès que tu dis à moi, on appuie le bouton, l'avion vire. Oui, tu changes l'autre. Tu vas nous faire tomber dans l'eau. Je vois un doigt qui persiste là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Haïti est localisé à ce qu'on appelle les Caraïbes. Pour rendre ça facile, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a un petit cordon d'îles qui relie les deux blocs. Haïti est situé là au milieu, au voisinage de la République dominicaine, avec laquelle il partage une frontière, comme il expliquait. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Voilà le micro. I wanted to I wanted to say something very important. Uh-huh. What Brother Theodore was saying yesterday about Haiti is not an easy country. What am I saying because of that? Haiti is the only country in the Caribbean, in the Western Hemisphere, that defeated three superpowers in 1804. Defeated France, defeated Spain, and defeated Britain, and had independence in 1804, 1st January. And then they said they will not recognize. They said, okay, don't recognize us, don't recognize us. France being crafty, France said, okay, we recognize you. If we cannot beat you, we join you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci, merci, frère. Thank you, brother. Vous voyez, on est là, on avance. We are moving forward. Papa Nico. Oui. Yesterday I said that we should not pray for Haiti because Haiti has had a lot of problems. True. Unstable governments, constant earthquakes, social agitations. It has had so many problems. That's why I wanted us to take time to really, like now, like this, to pray for Haiti. Évidemment, je crois que si tu suis l'actualité, même maintenant, ils sont en problème. If you are following the news, right now, they are going through difficult times. Dernièrement, on a tué le président. Tantôt, il y a ceci. Sometimes they kill the president. Quand c'est les inondations et les tremblements de terre et les typhons. Floods, earthquakes, typhoons. La réalité, c'est que la situation de Haïti a dépassé les hommes. Haïti has overcome, the condition of Haïti is more than men. Un peu comme le frère Georges dit, vous comprenez d'où ça part très loin derrière. As Brother George is saying, it's something that dates far behind. Qui veut ajouter quelque chose? Who can add something more? Pour que les frères puissent prier, oui, avec intelligence. Et nous avons des frères là-bas. So that the president can pray with knowledge. We have believers there. Il n'y a pas there. Longtemps, il y avait eu des tremblements de terre, des inondations, tsunamis. On a dû envoyer de l'aide pour secourir les frères.
en dehors de l'Afrique, c'est la patrie du vaudou. Il y a eu un temps où les comme prêtres, religion comme religion officielle. Vaudou, c'est le bon nom pour la sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie et la religion officielle. So sorcery is the official religion in Haiti. Ils avaient tellement de temples vaudou. There are so many prêtres et les Ougans comme au Bénin qui réclamaient même qu'ils soient payés par le gouvernement comme religion officielle. Le vaudou, en dehors du Bénin, c'est vraiment le siège. Et avec beaucoup de le vaudou est quand on est parti avec le frère Jean. On rendait ministère et il y a une jeune fille qui a été invitée. Elle ne faisait que me regarder comme ça. Elle rit. Elle me regarde. Elle rit. Elle me regarde. Elle rit. À la fin de la réunion, je lui demande, tu me regardais beaucoup et tu riais. Tu m'aimes beaucoup. Elle me dit, non, tu jeûnes beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Donc tu vois, la divination, les choses spirituelles, le surnaturel est réel pour eux. Donc il vit avec ça. Donc il y a les voyants, comme celle-là, elle n'écoutait pas mon message. Elle n'admirait même pas. Ce n'est pas l'admiration. C'est comme quelqu'un qui est intrigué de rencontrer un autre genre de spiritualité. Vous me comprenez? Oui, oui. Ce n'est pas l'admiration. Tu vois, comme nous, on peut voir quelqu'un qui a les démons. Et on dit que toi tu as les démons. C'est comme ça qu'elle nous voyait. Elle n'était pas de notre assemblée. Elle venait dans notre église pour la première fois. On l'a invitée. Et je ne sais même pas ce qu'elle comprend par le jeûne. Hein? Donc, c'est un pays de voodoo et les gens sont adonnés au spiritisme. Donc, quand il faut que vous appreniez beaucoup à briser les liens spirituels malsains. Parce que si tu rends ministère là-bas, il n'y a pas quelqu'un à qui tu vas rendre ministère sans lui rendre le ministère de briser les liens. Parce qu'ils naissent et le voodoo, la sorcellerie fait partie de leur train-train quotidien. Ok, ça c'est Haïti. Vous comprenez alors? Et avec beaucoup des enfants de rue. A lot of street children. So beaucoup de familles séparées. Many broken homes. Vous avez compris? Have you understood? Que dit le psaume 24? What does Psalm 24 say? Haïti, nous allons le proclamer sept fois. The earth is the Lord's and all that is in it. Haïti and all who live in it. Que ce soit le vaudou, que ce soit tout le reste là. Be it vaudou or any other thing. Nous savons une chose. We know one thing. À l'éternel. The Lord, the earth is the Lord's. La terre. The earth is the Lord's. Amen. Amen. À l'éternel, à l'éternel. Yes, it belongs to the Lord. Pardon, mais nous sommes 24:2. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas vont au moins voir ça au tableau. Project Psalm 24, verse 1 in English. C'est ce que nous allons d'abord proclamer. That is what we are going to pour dire que tous les autres qui sont ou qui ont été là sont des usurpateurs. All the others who are there are usurpers. Amen. Amen.
À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais nous allons dire, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Tout ça, c'est à l'Éternel. Ce n'est pas au vaudou, ce n'est pas à toutes les autres principautés et autres. So we shall proclaim in English, the earth is the Lord's and everything in it, Haiti and all who live in it. Amen. Amen. Allons-y ensemble. Go. À l'Éternel, la terre, everything in it, Haiti and all who live in it. Amen. Deux. À l'Éternel, the Lord's and everything in it, Haiti and all who live in it. Amen. Trois. The earth is the Lord's. Everything in it, Haiti, and all who live in it. Amen. Can't. The earth is the Lord's, and everything in it. Haiti, and all who live in it. Amen. Say, the earth is the Lord's, and everything in it. Haiti, and all who live in it. Amen. Six. The earth is the Lord's, and everything in it. Haiti, and all who live in it. Amen. Set. The earth is the Lord's and everything in it. Haiti and all who live in it. Amen. 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 Oh, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Haiti and all who live in it. Amen. Amen. La terre est ce qu'elle renferme. Haiti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Haiti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. The earth is the Lord's and everything in it, Haïti and all who live in it. Amen. Amen. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. The earth is the Lord and his fullness thereof. Haïti and all who live in it. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ceux qui le renferment. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ceux qui le renferment. Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. We proclaim that the earth is the Lord's and everything in it. Haiti and all who live in it. Amen. Amen. The earth is the Lord's and everything in it. Haiti and all who live in it. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. The earth is the Lord and everything in it, Haïti and all who live in it. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Haïti et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. We proclaim the earth is the Lord and the fullness thereof, Haïti and all who live in it. Amen. Amen. Proclamons encore cela ensemble. Let's proclaim it together. Allons-y. Go. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Amen. Et à Haïti, il y a 11 millions d'habitants. Haïti is a country with 11 million inhabitants. Le Seigneur Jésus a versé le sang. The Lord shed his blood. Pour avoir ces 11 millions là. Okay, to redeem those 11 million people for himself. Le Seigneur dit, demande-moi des nations. The Lord said, ask of me for the nations. Amen. Amen. Demandons au Seigneur de nous donner toute cette nation là. Let us ask the Lord to give us. De nous donner tout Haïti. Let us ask the Lord to avec give us tous ceux qui l'habitent. Haiti and all who live in it. Prions ensemble. Let's pray together. Nous prions au nom de Lord, we pray in the name of the Lord Jesus Christ that you give us Haiti
Give us Haiti and all who live in it, Lord. Oh, Father, give us Haiti and the 11 million people who are there right now. In Jesus' name, amen. Seigneur, tu as versé ton sang aussi pour Haïti. Nous prions par conséquent que tu nous donnes, Seigneur, tout Haïti et tout ce qui l'habite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ton sang a coulé, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, pour ce pays. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que Haïti pour Jésus, Seigneur, donne-nous Haïti, Seigneur. Oh Dieu, parce que ça a été apporté, ton sang a coulé pour eux, Seigneur, pour les sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, nous te supplions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la nation d'Haïti. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, et tous ceux qui l'habitent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que tu nous donnes la nation de Haïti et donne-nous tous ces 11 millions d'habitants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, Haïti et tous ceux qui l'habitent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, au prix de ton sang, nous supplions que tu nous donnes Haïti et tous ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Oh Lord, you shed your blood for the nation and particularly for Haiti. We pray, oh God, that you give us Haiti and all who live there. In Jesus' name, amen. 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 Seigneur, à cause de ton sang, ton précieux sang, Seigneur, nous réclamons la nation de Haïti et tous ceux qui l'habitent au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, ton sang a coulé pour la nation Haïti. C'est pourquoi nous plaidons que tu nous donnes Haïti et tous ceux qui l'habitent au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as versé ton sang pour Haïti. Tu as versé ton sang pour que, Seigneur, le peuple haïtien, Seigneur, soit sauvé. Oh, nous te supplions. Toi qui nous as demandé de te demander les nations, nous supplions que tu nous donnes Haïti. Donne-nous Haïti au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Haïti et tous ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Nous disons, je jette ton divin blanc. So that every citizen in Haiti, Haiti, your God, will belong to you. Lord, we pray that you give us everybody, all the 11 million inhabitants of Haiti. In Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu as payé un grand prix pour Haiti, Seigneur. Nous te supplions, donne-nous Haiti avec tous les habitants de Haiti. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Lord, you shed your blood, Lord, on Haiti, and we pray that you give us Haiti and all that which is in it, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we want to continue to confess, oh God, that you shed your blood, oh God, for the salvation of mankind. We plead that you give us Haiti and all those we need, in Jesus' name. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous prions, nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, que tu nous donnes Haiti, Seigneur, et tous ceux qui l'habitent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We shall pray pour démanteler et anéantir, to dismantle and bring to naught tous les plans et agents de Satan pour troubler Haïti. All the plans and agents of Satan to trouble Haïti. Haïti. Et il y a vraiment les gens qui troublent là-bas. There are many troublers. Many gens who venant cause trouble there. De tous côtés. From all the angles. Démantelons, exposons, anéantissons, neutralisons tous ceux qui sont utilisés pour troubler Haïti. Tous les plans et les personnes que le diable utilise pour troubler Haïti. Let us expose, dismantle and bring to naught all the plans and the agents of Satan who want to destroy, disturb Haiti. Prions ensemble. Let's pray together. Expose, 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 expose. Tous prions en langue, prions en langue. Let's pray in tongues. The first line. In the name of our Lord Jesus Christ, we judge all those who are causing trouble in Haiti, all troublemakers, and all who are
causing trouble and destabilization in Haiti. We judge and bring to naught all their activities. In Jesus' name, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous ruinons, nous détruisons, nous anéantissons tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Oh Dieu, que tout cela qui sort de l'intérieur ou à l'extérieur, qui trouble Haïti, nous jugeons ces plans, nous les ruinons, nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous saccageons, nous exposons tous les plans de Satan et les plans des agents de Satan pour troubler Haïti. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose, we judge and destroy all the plans of Satan. Oh, through those who are destabilizing the nation of Haiti, we cancel all their plans in Jesus' name. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous anéantissons et nous jugeons tous les plans de l'ennemi contre Haïti. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous anéantissons tous les agents de Satan qui cherchent à semer le trouble à Haïti. Et nous exposons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons et nous neutralisons les plans de l'ennemi dirigé contre Haïti. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose, judge, and bring to naught the plans of all those who are trying to destabilize Haiti. In Jesus' name, amen. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, we expose, we judge, and we bring to naught all the plans and all the agents of Satan aimed at causing trouble in Haiti. In Jesus' name, amen. Amen. Nous allons prier ensemble. We shall pray together. Oh, pour imposer la stabilité sociale et politique. To impose social and political stability à Haïti. In Haiti. Prions ensemble. Let us pray. In the name of the Lord Jesus Christ, we impose both social and political stability in Haiti. In the name of the Lord Jesus Christ, we impose social and political stability in Haiti. Stabilité. Jesus social. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous imposons la stabilité sociale et politique, Seigneur, dans la nation Haïti, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons la stabilité sociale et politique en Haïti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. In the name of Jesus Christ, we impose political and social stability in Haïti. In the name of Jesus. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons la stabilité sociale et politique en Haïti. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons la stabilité politique et sociale en Haïti. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous imposons la stabilité politique et sociale en Haïti. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons la stabilité politique et sociale en Haïti. Amen. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous imposons la stabilité politique et sociale en Haïti. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. We shall pray. Nous avons nos missionnaires là-bas. We have missionaries there. L'un s'appelle Emmanuel Divine. One is called by Emmanuel Divine. Et l'autre Johnny Devarieux. And the other one Johnny Devarieux. Nous allons prier pour leur protection. We shall pray for their protection contre toute la furie de Satan. From the fury of Satan. Amen. Amen. Parce qu'avec les vaudous et tout ça, est-ce que non, protégeons-les contre toute la furie de Satan d'où qu'elle vienne. Let's protect them from the fury of Satan. Prions ensemble. Let us pray together. In the name of the Lord Jesus Christ. Protégeons Emmanuel Divine, Johnny Devaris, contre toute la furie de Satan, au nom de Jésus-Christ. Protégeons notre œuvre là-bas contre toute la furie de Satan. Let's protect our work there from all the fury of Satan. Prions. Let us pray. Les premiers, si vous priez pour la protection de nos missionnaires. Oh, in the name of our Lord Jesus Christ, we cover our missionaries in Haiti. Both the national missionary and the international missionary. We cover them under the blood of our Lord Jesus Christ from all the fury and the anger and plans
of the enemy and in any way whatsoever. In Jesus' name, amen. Amen. Father, we pray in the name of the Lord Jesus Christ that your gracious, mighty hand of protection will remain over our brethren, our missionaries in Haiti. Father, cover them under the blood of Jesus continually, Lord, because of the work they are doing there against Satan. That his fury, Lord, will not have any way to get to them. In Jesus' name, amen. Amen. Et nous couvrons sous le sang de l'agneau tous nos missionnaires internationaux et nationaux à Haïti. Nous les couvrons sous le sang de Jésus contre la furie de Satan, contre tous les traits enflammés de l'ennemi, connu et inconnu, visible et invisible, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous cachons tous nos deux missionnaires à Haïti contre toute la furie de l'ennemi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous priez pour la protection de notre œuvre en Haïti. Pray for the protection of our Seigneur, work in Haïti. Seigneur, nous venons te supplier, oh notre Dieu, protège notre œuvre en Haïti contre l'ennemi. Au nom de Jésus, nous cassons et nous détruisons les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, pour la protection, Seigneur, de nos missionnaires en Haïti. Nous te supplions, oh Seigneur, que tu les protèges de toute attaque de l'ennemi. Notre œuvre. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, que tu protèges notre œuvre en Haïti, Seigneur, contre toute la furie de Satan, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à te supplier que tu aies dans ta main, oh Seigneur, pour protéger notre œuvre en Haïti, contre toute la furie de Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lord, we plead, oh God, that may you watch and protect our work in Haiti from all the fury, all the plans of the enemy and his agents, in Jesus' name. Amen. Amen. Father, we pray that you raise the standard and protect our work in Haiti, Lord. We pray, protect our work in Haiti, Lord, from the fury of the wicked one, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Prions afin que dans notre œuvre en Haïti, le Seigneur se manifeste par des guérisons, par des miracles, des prodiges évangéliques. Let us pray that the Lord will manifest himself in our work in Haiti through miracles, wonders, and evangelistic signs. Quand Elimas, le magicien, a vu ce qu'il a vu, when Elimas, the magician, the sorcerer, quand il a vu ce qu'il a when vu, he saw what happened in il a dit, je veux aussi ce Dieu-là. He said, I also want that power. Il est bien vrai qu'après lui, il voulait aller acheter la puissance du Saint-Esprit avec l'argent. It's of course, he wanted to buy the power of the Holy Spirit with money. Donc, prions pour la manifestation de la main de Dieu. Let's pray that God will the hand of God will par manifest. Par des signes, des prodiges, des miracles. Through signs, wonders, and miracles. Pour une grande moisson. For a large harvest. En un temps assez court. In a short time. Parce que 11 millions, est-ce que c'est petit? 11 million people are not small. It's not, prions it's not a small population. Prions pour la manifestation de la puissance de Dieu. Let's allons-y. Let's pray that the power of God will Quelques personnes qui ont la foi, même si tu es dans le rang ou quelque part, prends le micro, tu pries. Some people in the name of our Lord Jesus Christ, we pray, oh God, that your hand will be manifest in our work in Haiti through signs, wonders, miracles, for explosion and rapid growth in numbers. In the name of our Lord Jesus, we pray for convincing miracles to show the hand of God. In Jesus' name, amen. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour la manifestation de ta main dans notre ministère, oh Seigneur, en Haïti, au travers des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, pour une grande moisson, Seigneur, dans un temps court, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Lord, we continue to pray and plead with you that you manifest yourself in our work in Haiti through miracles, signs, and wonders, and we pray that through it, oh God, there will be explosions in evangelism, in soul winning, and in church planting in Haiti. In Jesus' name, amen. Amen. Oh, Dieu, s'il te plaît, accompagne ton œuvre à Haïti par la manifestation des signes, prodiges, miracles, oh Dieu, délivrance, libération, oh Dieu. Oh Seigneur, pour une moisson abondante, s'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Oh,
Father, Lord, we beg of you, Lord, and we plead of you, Lord, that you should come down in Haiti, oh Lord, and manifest yourself to signs and wonders, oh Lord, miracle, oh Lord, in Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, que tu imposes ta main puissante sur Haïti, oh Seigneur, et que tu interviennes sur Haïti, Seigneur. Nous prions, oh Seigneur, que tu imposes par les paroles la magnificence des guérisons. Au nom de Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à te supplier la manifestation de ta main puissante en Haïti. Seigneur, par les signes, les prodiges, les miracles, des guérisons. Seigneur, pour une moisson claire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous continuons à prier, Seigneur, que tu étends ta main, Seigneur, sur notre œuvre en Haïti, Seigneur, et qu'il se fasse, Seigneur, des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons spectaculaires. Oh, ce qui va amener, c'est l'explosion des effectifs. Oh, Seigneur, une moisson abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à prier. Oh Dieu, afin que tu bénisses la nation haïtienne avec la manifestation de ta puissance. Oh, se révélant par des signes, des prodiges, oh, des miracles en grand nombre, Seigneur, pour une moisson abondante lors de lorsque les missionnaires vont moissonner, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Let's pray together. Que le Seigneur suscite. That the Lord should raise des dirigeants qui vont rapidement émerger. Leaders who mature rapidly. Et qui connaîtront une fusion de cœur entre tous les dirigeants. And no fusion of heart with one another. And that there will be fusion of heart amongst all the leaders. And that there will be fusion of heart amongst the leaders, all the leaders. Prions ensemble. Let's pray together. Father, we pray, oh God, that you raise and bless our work, oh God, in Haiti. Oh God, with emerging leaders who raise and who grow up rapidly and mature, oh God. And we beg that, oh, that you bless them, oh God, with fusion of heart. In the name of Jesus, amen. Amen. Lord, we continue to plead with you, oh God, that you will raise and work in Haiti, oh God. Leaders, oh God, who emerge and grow rapidly, oh God, our Father. Oh, Father. Oh, I will not imagine of you, not imagine of heart, fusion of heart, oh God, for I will work in Haiti. In Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, nous prions notre Dieu, afin que dans notre œuvre en Haiti, Seigneur, que des dirigeants, des jeunes dirigeants émergent, oh notre Père, et qu'ils aient une fusion de cœur, oh notre Dieu. Nous te supplions, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we pray that for the sake of our work in Haiti, that you raise many leaders who will mature very fast and will know fusion of hearts with the leaders who are there and among themselves. We beg you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à te supplier, oh Dieu, afin que tu suscites des dirigeants qui vont émerger et qui vont fusionner, afin que, Seigneur, tes desseins dans cette nation soient atteints, soient accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. And Father, we plead, oh Lord, with you, that you arise, Lord, and cause the leaders from Haiti, emerge leaders from Haiti, for a rapid growth, so that, Lord, they will know peace and fusion with the heart of the missionaries. We beg you in Jesus' name. Amen. Seigneur, nous prions que tu suscites, oh Seigneur, les dirigeants en Haïti qui vont émerger, oh Seigneur, dans ton œuvre. Et nous prions que tu les bénisses avec la fusion de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Father, we pray, Lord, that you bless our work in Haïti, Lord, by raising leaders, oh God. We beg you, Lord, that you rapidly raise leaders, oh God, for our work in Haiti, Lord. And we pray, Lord, that there will be a body. We pray, Lord, that the house will fuse. We pray, Lord, that they will function as one man. In Jesus' name, amen. 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 Nous allons faire les deux proclamations traditionnelles. We shall do make the two two traditional proclamations. Nous proclamons que tous les membres de notre ministère à Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour être ces hommes d'état spirituels qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. We proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God into the spiritual statesman that he needs to accomplish his purposes in Haiti. Envoie. Project. Nous proclamons. Allons-y ensemble. Let's proclaim together.
Nous proclamons que tous les saints of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God from the bottom of the statesmen, spiritual statesmen that God needs to accomplish purpose in Haiti. Amen. Amen. Deuxième fois. Again, we proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God into the spiritual statesmen that He needs to accomplish His purpose in Haiti. Troisième fois. Third time. We proclaim that all the saints of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God into the spiritual statesmen that He needs to accomplish His purposes in Haiti. Amen. Amen. We proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to become the spiritual statesmen that He needs for the accomplishment of His purposes. In Jesus' name, amen. Amen. Nous prenons la deuxième proclamation. The second proclamation for the leaders. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère à Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère, un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. In English, we proclaim that all the leaders of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use to accomplish our goal. Proclamons cela ensemble. Let's proclaim it together. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère Haïti vont se laisser guider par Dieu pour former un corps de ministère, un corps de direction, que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir. Une deuxième fois. Again, we proclaim that all the leaders of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit possesses. Une troisième fois. Third time. Vous quatre, vous proclamez ça. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère à Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour l'accomplissement de ses desseins au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We proclaim that all our leaders in our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use for the accomplishment of our goal. In Jesus' name, amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère en Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère en Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère, un organe de direction que le Saint-Esprit va posséder, utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Vous quatre, vous allez revenir sur la, les membres. The four of you, you proclaim it for the members. Pour être ces hommes d'État. That they'll become the spiritual statesmen. Vas-y. Nous proclamons que tous les membres de notre ministère en Haïti vont se laisser mouler par Dieu pour être ces hommes d'État spirituels qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. We proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to be those spiritual statesmen He wants for the accomplishment of His purposes. In Jesus' name, amen. Amen. We proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to become the spiritual statesmen He needs for the accomplishment of His purposes. Amen. Amen. We proclaim that all the members of our ministry in Haiti will allow themselves to be molded by God to be those spiritual statesmen He wants for the accomplishment of His purposes. Amen. Amen. Ensemble, proclamons. Together, let's proclaim. Demandons au Seigneur de bénir Haïti. And ask the Lord to de bénir Haïti. Let's pray, asking the Lord to bless de Haïti, Haïti. To bless Haiti. De toutes les bénédictions, pour qu'ils vivent d'une façon normale. In every respect, so that they will live a normal life. Ensemble, proclamons. Let's proclaim, pray together. Ensemble. Father, we pray, oh God, that you reach out your hand, oh God, and bless Haiti in every domain, oh God. And bless Haiti in every domain, so that they will live a normal life, oh God. We beseech you, Lord. Amen. Amen. Nous allons proclamer Haïti pour Jésus. We shall proclaim Haiti for Jesus. Trois fois. Allons-y. Three times.
Go. Haiti for Jesus. Amen. Haiti for Jesus. Amen. Haiti for Jesus. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous reprenons le vol. We take off again. Nous avons déjà fait l'essentiel. We have done the essential. Nous allons faire l'escale à Cuba. And we shall have a stop over in Cuba. Cuba est où? Where is Cuba? Cuba est où? Where is Cuba situated? Personne ne connaît Cuba. Nobody knows. Oui, il y a un doigt là-bas. There's a hand behind there. Gagnons le temps si tu as avec nous. Let's redeem the time, please. Give the microphone. Bon, si tu, tu laisses. En Amérique latine. Just. Cuba, Cuba est dans les Caraïbes. Un pays qui utilise l'espagnol. Où est Esperanza? Où est Hope? Hope is one of the brethren from Cuba. Hey, tu on demande Cuba, tu restes tranquille. Because she does not know how to express herself yet. Ah. Very well. Okay. In English, unless you want to hear her talk in Portuguese or Spanish. she is born naturally in Angola, studied in Cuba, and has come to serve here. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Cuba is in the Caribbean. And Cuba was a strong communist bastion that was used by the communist bloc to defeat America in the Battle of the Bay of Pigs. And they were almost one of the last bastions of communism to be dismantled, for the communist system to be officially dismantled. The economy is still very poor. The hostility to America and the United States is still very rife. We don't know whether the borders, Esperanza, are the borders with the United States to goods and traffic and commerce, is it completely opened? Not yet. They are about 1 hour flight from the United States, but their borders are closed. You go from the United States and enter Cuba, and you are like, you cannot recognize day and light. So, Cuba is a very needy nation, with many educated people, hyper-educated. But by the time we were there, the salary of a medical doctor was less than 60,000 francs CFA. Donc un médecin touchait moins de 60 000 francs. Yeah. When we got there, one of the testimonies that the brethren gave when we were asking for the great hand of God was that a tomato delivery truck had a breakdown and the brethren were able to pick tomatoes. When you come from Cameroon where there is so much food and the tomatoes that you don't, then you will learn to, I think many of us need to travel to Cuba so that we can come back and be grateful. There was still some level of food rationing. I don't know whether it has stopped. But by the time we were there, Brajan, how many years ago? Around 2012, about 10 years, no. 14. Says. About around 2016, there was still food rationing. They give you like eggs, they give you a limited quantity, they give so that it can go round. But they are one of the biggest producers of cigars. Cuba cigarettes have global reputation for those who puff like chimneys. And even the airport, I had to
close my nose because when we were even in the airport, there was the stench of heavy cigarette smoking. But it is a nation of very intelligent and warm-hearted people. They are so limited economically, but espionage is so advanced. I think they may have better espionage than even the United States. Everybody is being spied on because it's a small country. So espionage technology is highly developed. The food, the automobile industry, it was good to be entering the cars of the 1940s. The taxis that were carrying us, it was a Lincoln Continental, yes. We entered an old version of Lincoln Continental of the 1950s. they keep their things well. And they are a very warm people and hungry for God. But atheism has been in Cuba for so long and it has left its marks. That's a background about Cuba. The population of Cuba, Esperanza? 11 million. And it has a very cosmopolitan medical school. Fidel Castro, part of spreading and marketing communism, offered a lot of scholarships to African students to study medicine and other disciplines. And their medical school and performance is hyper excellent. They do well. They teach, they produce. Doctors are not scarce in Cuba as they are in Cameroon. In fact, doctors are too many in Cuba. That's the country, a great country, with great potential, but very stubborn in their ideology, and they suffer, and they are ready to pay the price for their beliefs by suffering. But God has been answering prayer on behalf of Cuba. And the spiritual climate is still very, very dangerous. We took a believer to baptize at low ebb, low tide. It's the first country in which I saw that the elements can become your enemy, like in the book of Job. You know that when Satan decided to attack Job, he said a wind came in, a strange wind. We were going to baptize some few brethren, and it was low ebb. And at least some of us know geography. We know when the tide is supposed to come back after around 1 o'clock or thereabouts. But when our brother went into a little, it wasn't in the sea, it was in the, how do they call it? It's not a lagoon, a small lagoon. That was shallow. But as he went in to baptize, the sea started coming rapidly in anger to drown them. Brother barely ran out of the we had to hold him rapidly so that it doesn't carry him. It wasn't low tide. A time comes when waters have demons, and then they fight. It wasn't moving according to the movement of the moon. Our brethren, Ralph and Brajan, they were barely saved from being attacked by water. Who knows what they call a lagoon? That's when water goes. Yeah, the petit mado. Le petit mado. Tu on est entré dans un petit mado pour baptiser, et l'heure n'était pas
indiqué pour que la marée soit au retour. Et même quand la marée est au retour, ça ne vient pas à une vitesse pour t'attraper, comme pour te... De sorte qu'on est en train de justesse de sortir nos frères. Donc, les réalités spirituelles de ça sont... On était en train de tremper de nouveaux territoires avec l'évangile. Et comme j'ai dit, c'est un peuple très ouvert, très éduqué, qui ont très faim et qui vivent normalement avec une population mulatto, noir, blanc, métise, tu as tout. Au Cuba, noir, blanc, métise et toutes les autres couleurs entre dans le spectre. Alléluia. Amen. Amen. Et la vie est encore très moins chère encore. Nous allons d'abord proclamer. We'll first of all proclaim. L'arbre. Le prince du communisme. The prince of communism. A été. Has been. Renversé. Renversé. Overthrown. Renversé, pas démantelé. A été renversé. À Cuba, au Cuba. In Cuba. Et Jésus-Christ est Seigneur. And Jesus Christ is Lord of Cuba. Amen. Amen. Proclamons cela ensemble. Let's proclaim it together. Nous proclamons. Le prince satanique communiste a été renversé au Cuba. Et Jésus-Christ est Seigneur de Cuba. Amen. Amen. Deux. Two. We proclaim that the prince satanique du communisme a été renversé au Cuba. Jésus-Christ est Seigneur de Cuba. Trois. We proclaim that the prince of communism has been overthrown in Cuba, and Jesus Christ, Lord of Cuba. Amen. 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 Prions, proclamons que tous les membres de notre ministère à Cuba vont se laisser mouler par Dieu. Let us proclaim that all the members of our ministry in Cuba will allow God to mold them. Pour être ces hommes d'État, into the spiritual statesman, spirituel qu'il veut, that he needs to accomplish his purposes there. Prions, proclamons ensemble. Let's proclaim it together. Nous proclamons que tous les membres de notre ministère à Cuba vont se laisser mouler par Dieu pour être ces hommes d'État spirituels qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. 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 Deux. Two. Proclamons. Three. We proclaim that all the members of our ministry in Cuba will allow themselves to be molded by God to the spiritual statesman that he wants to accomplish his purposes in Cuba. Amen. Deuxième proclamation. Second proclamation. The leaders. Les dirigeants de notre œuvre. The leaders of our work. Allons-y. Go. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cuba will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that God will possess, that the Holy Spirit will possess and use to accomplish our goal. Amen. Deux. Two. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cuba will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership that the Holy Spirit will possess and use to accomplish our goal. Amen. Trois. Three. We proclaim... Amen. Amen. Notre œuvre à Cuba a un grand besoin. There's a great need in our work in Cuba. Celui qui était comme le leader de l'œuvre est parti. The leader, the person who was the leader of the work there, left. Plusieurs autres qui étaient des dirigeants, c'était des étudiants beaucoup plus. Ils sont partis. Most of the leaders. Ils sont partis dans d'autres pays. The leadership was made up mostly of students. So they moved to other nations.
Un peu comme le frère Tonon a dit, beaucoup de médecins et autres sortent de là-bas. Quand tu as fini ta formation, tu pars dans un autre pays. As Brother Tonon said, there are many medical doctors who are trained there. And when they finish their training, they go to other nations. Donc, pour le moment, for now, ceux qui étaient les piliers, those who were the pillars, sont partis. Have gone. Nous allons prier. They have gone. So let us pray. Que le Seigneur nous donne un leader pour l'œuvre à Cuba. That the Lord should give us a leader for the work in Cuba. L'homme selon son cœur, l'homme pour le pour la circonstance. A man out of his heart. A national. Un national. Hein. A national. Un Cubain de Cuba. A Cuban from Cuba. La capitale c'est le, la Havane. The capital is Havana. Donc prions pour. They don't they pronounce that V as B. Prions ensemble que le Seigneur nous donne ce homme-là. Let us pray that the Lord will give us that. Prions. Let us pray. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Supplions que tu nous bénisses avec Cuba, ô Dieu, en tant que leader de notre œuvre au Cuba. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Mais nous supplions au nom de Jésus-Christ que tu nous bénisses avec un Cubain, Seigneur, comme dirigeant de notre œuvre à Cuba. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce, ô Dieu, afin que tu suscites et que tu nous bénisses avec un leader à Cuba, un Cubain, un national, ô Seigneur, pour continuer l'œuvre à Cuba. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lord, we're going to plead, oh God, that you bless our work in Cuba with a Cuban national as a leader of our work there. We beg you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Vous priez. Donc, que le Seigneur suscite tous les autres dirigeants dont on a besoin pour l'œuvre à Cuba. Pray that the Lord will raise and give us all the other leaders we need for our work in Cuba. Seigneur, nous prions au Seigneur que tu suscites plus de dirigeants pour notre œuvre au Cuba au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te supplions que tu suscites et tu nous donnes tous les dirigeants au Seigneur pour notre œuvre au Cuba au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu suscites et que tu nous donnes tous les dirigeants dont nous avons besoin pour notre œuvre au Cuba au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que tu suscites tous les dirigeants, Seigneur notre Dieu, pour le Cuba. Au nom puissant, pour notre œuvre au Cuba, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble. Let us pray together. Que le Seigneur nous donne une percée, une grande percée dans les effectifs, dans notre œuvre à Cuba. That the Lord will grant us great explosions in numbers in our work in Cuba. Prions ensemble. Let us pray together. Father, we pray, Lord God, that you grant us great explosions. Explosions in numbers. Mighty explosions in numbers in our work in Cuba, God. We beseech you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, que tu nous donnes une grande percée, Seigneur, dans les effectifs, dans notre œuvre au Cuba. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous donnes une grande percée. Nous prions pour une explosion, l'éternel Dieu, dans notre œuvre au Cuba, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions et nous te supplions, Seigneur, que tu nous donnes une grande percée dans les effectifs, dans notre œuvre au Cuba. Amen. Amen. Oh, gracious Father, we pray in the name of our Lord Jesus Christ that you give us great breakthrough in numbers, oh Lord. Explosions, oh God, in numbers in our work in Cuba. We beg you, dear Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que tu nous bénisses dans les effectifs au Cuba, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, ben, insistons, Seigneur, que tu nous bénisses avec une grande percée en termes d'effectifs de notre œuvre au Cuba, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce. Bénis-nous, Seigneur, oh Dieu, avec des percées, oh Dieu, en effectif, Seigneur, oh Dieu, dans notre œuvre au Cuba, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we beg you that by a powerful move of the Holy Spirit, you bless us with great explosions in our in growth in numbers in our work in Cuba, in Jesus' name. Amen. Amen. Prions ensemble. Let's pray together. Oh, que la nation, que Cuba, l'économie, la vie, que le développement. Que le Seigneur change la situation économique de Cuba. Voilà, c'est ça.
Let us pray that the Lord will change the economic condition of Cuba. Amen. Amen. Prions ensemble. Let us pray. Father, we pray that we change the economic and change the economic condition of Cuba. Change the economic condition and transform the nation. Amen. Amen. Father, we pray, Lord, at the rise of God, yes, already. And change the economic condition of Cuba, Lord. We beg you in the name of Jesus. Amen. Amen. Oh Père, nous te supplions, Abba Père. Change la situation économique du Cuba. Change la situation économique du Cuba. Abba Père, lève-toi au Cuba. Et change la situation économique du Cuba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Afin que tu changes la situation économique du Cuba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Let us pray. Que l'ouverture avec les pays et les facilités pour que d'autres personnes entrent grandissent. That Cuba will be open to other nations so that commodities will flow from other nations into Cuba. Un peu comme le frère Todor expliquait. As Brother Todor was explaining. Leur ouverture avant c'était beaucoup plus pour répandre le communisme. They were open to export a communism. Ils ont été dans beaucoup de choses, la guerre en Angola et autres et autres. They were open in the past to export communism and the plot involved wars in Angola and other places. S'ouvre davantage pour le développement et le brassage qui va favoriser un décollage. Let us pray that they will be opened for development and there will be influx into the nation that will cause development. Prions ensemble. Let us pray together. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer. We shall now proclaim Cuba for Jesus. For Jesus. Amen. Amen. We proclaim Cuba for Jesus. Amen. 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 À cause des contraintes du temps pour éviter les perturbations atmosphériques, à l'estrade. And because of the climatic conditions, to avoid facing storms, tout le monde est invité à l'atterrissage. Everybody is invited to land on the stage. Venez à l'estrade. Come to the stage. Nous atterrissons. We are landing. Et c'est le moment de décrassage. It is the time to shake up. Pour faire circuler le sang. To make blood circulate. Pour faire un peu de sport, parce que quand tu vas finir la prière, tu vas seulement aller dormir. To do some sports. Donc, c'est le moment d'un petit décrassage. So it is time to exercise yourself and shake up. Amen. Amen. Venez. Come. C'est le moment également. Also the time. De montrer que nous sommes des soldats. To prove that we are soldiers. Frère. Il y a encore l'espace. Il y a encore l'espace. Où est le commandant en chef? Suivez les instructions. Dictionnaire, c'est quoi ces yeux dans mon lointain retour?
Oh,
regarde. Est-ce que nous pouvons commencer par la bonne chose en nous approchant les uns des autres, en ne laissant aucun vide là-bas derrière, s'il vous plaît? Can we start with the right thing? By moving forward and leaving no space, no empty seats donc, in front of us. Essaye de te lever. Please, make an effort. Stand viens up devant, viens and devant, move viens forward. Devant. Kindly stand up and move forward, please. Venons, rapprochons-nous, rapprochons-nous. Let's come closer, please. Parce que certains frères sont déjà partis, donc il y a la place devant. Because some of our brethren have already left, so we have lots of empty seats ahead. Ça nous aide même à répartir les sujets de prière. It helps us even in the distribution of prayer topics. Tout le banc là, là où il y a la table là, c'est vide. Pourquoi vous vous êtes même séparés de devant? There is an empty table there. S'il vous plaît, venez, venez devant. And people sitting behind. Move forward, please. S'il vous plaît, venez devant. Kindly move forward, please. Dans toute la rangée là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez approcher les sœurs? Our brethren, our sisters over there. Kindly move forward. Ok. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous allons aujourd'hui, on doit acclamer de manière très spéciale. Today we are going to clap in a special way. Pour le nouveau jour. For this new day. Donc on va acclamer même en poussant des cris de joie. Yes, we will clap while shouting out for joy. Parce que ce n'est pas seulement un nouveau jour. Because it is not only a new day. Oui, dans le jeûne, c'est un nouveau jour. Yes, in the fast, it is a new day. Mais c'est un nouveau mois. Dis nouveau mois. It's also, dis it's nouveau also mois. A new nouveau month. Mois. Donc aujourd'hui, on doit acclamer très spécialement. So today will be a special way of clapping. En poussant des cris de joie pour que cela soit clair, que c'est un nouveau mois, c'est un nouveau jour dans le jeûne et la croisade de prière. Clapping while shouting to express the fact that it's a new month, donc, it's a mets, new day mets in ton the fasting and prayer crusade. Mets ton énergie dedans, tu so cries, put in your strength. Cries comme tu veux. Crie comme tu veux. Yes, shout any what in whatever way you mais want. Mais que ce soit les cris de joie. Oh, si tu peux pleurer, hein, si tu es you très émotif, even, que ouais, even weep, Dieu m'a amené cry. Jusqu'à ce 16e jour de jeûne et me voici au at mois de last, novembre. Tu peux même pleurer God parce que tu es très me to content. This day of the fast. Alléluia. This new month. Ok, nous allons donc acclamer en poussant des cris de joie au Seigneur. Let's clap while shouting for joy to the Lord. Je croyais que quelqu'un allait taper le tambour. En dehors de l'appareil de Ambus, vraiment, et nos mains. Gloire à Dieu. Amen. Ok, prochainement, je vais leur dire. Ok, okay. Next time I'll tell you to nous allons maintenant élever nos voix vers le Seigneur. We'll now lift up our voices to the Lord. Pour accueillir ce nouveau jour et ce nouveau mois. To welcome this new day and this new month. Et dans le jeûne et la croisade en cours, ce sera le 16e jour. And in this prayer crusade and in the fast, it will be we are entering into the 16th day. Donc c'est avec beaucoup de joie qu'il faut élever tes mains vers le Seigneur. So it is with lots of joy that you should lift up your hands to the Lord. Comme voix de l'allégresse, comme le psalmiste dit, voici la journée que l'Éternel a faite pour qu'elle soit pour nous, donc toi et moi. Une journée d'allégresse et de joie. So that we see this gladness, even as the psalmist says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oui, c'est le jour, c'est le mois pour nous. It is the, it's a new day for us. It's a new month for us. Ok, donc nous allons tous élever nos voix pour dire merci.
Let's all lift up our voices to the Lord and thank Him for it. Asseoir. Please, let's kindly sit down. C'est pour cela que tout à l'heure il fallait que tu élèves ta voix. Yes, you needed to lift up your voice to the Lord as we're doing it together. Nous allons seulement prendre quelques ambassadeurs pour nous représenter maintenant les uns après les autres. Right now we'll take only a few ambassadors to represent us. On va être un peu généreux comme c'est le nouveau mois. Okay, we'll be a bit generous considering that it's a new month. Ça veut dire que c'est trois par an au lieu de un ou de deux comme d'habitude. Okay, so we'll take three per line instead of one or two as usual. Mais si tu es la quatrième personne, but if you are the fourth person, tu attends demain, tu cours pour ne pas dire que pendant qu'on bougeait l'eau, les autres se sont déjà bougé l'eau, les autres sont précipités dans l'eau avant toi. Please wait for your turn tomorrow. Don't say, when the waters were shaken before I could come, another had fallen in before me. Alléluia. Alléluia. Allez-y, s'il vous plaît. Seigneur, béni sois-tu, oh Dieu. Pour la grâce de voir ce nouveau jour, Seigneur. Merci pour la grâce de voir ce nouveau mois, Père éternel. Merci pour la grâce, Seigneur, oh Dieu, d'entrer dans ce 16e jour, Seigneur, oh, de la croisade de prière de jeûne, Père éternel. Merci pour un mois tout spécial pour moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Seigneur, merci de nous avoir transportés depuis le premier jusqu'à ce 16e jour du jeûne. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup. Merci, merci. Merci grandement, Seigneur, oh Dieu, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bonté. Merci pour ce premier jour du mois de novembre. Oh. Merci pour tous les frères qui sont ici. Merci pour le don de la vie. Merci beaucoup pour tous les frères qui travaillent les nations et dans la nation. Et merci pour ce 16e jour du jeûne. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Can we thank you, we thank you, oh God. Thank you, Lord, for carrying each one of us, oh God, from the first day of this first righteous day. What a miracle, what a miracle. Thank you, Jesus. Thank you, oh God, for first month, first of the month. We are grateful, we are grateful. Receive all the exclusive glory in Jesus' name. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce premier jour du mois de novembre. Tu as été bon pour nous depuis le 1er octobre jusqu'au 31 hier. Et tu nous fais entrer dans un nouveau mois, Seigneur. Merci aussi parce que nous sommes au 16e jour du jeûne. Tu as été bon. Chaque jour de ce jour, tu as été victorieux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Abba, Father, we praise you for having given us the privilege to answer to your call, Lord, for war. We bless you, Lord, for the grace to have put food aside for 16 days to answer your call for war, Lord. We praise you, Lord, because your presence has come along with us. Your word has come along to transform us. We bless you, Lord, for those who have turned out in the nation and in the nations. Receive glory, our Father, in Jesus' name. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour un autre jour. Merci pour un autre mois. Que toute la gloire te revienne. Amen. Father, we thank you, Lord, for the privilege, oh God, to be given the grace, oh God, given us to see this day, the 1st of November 2022. Lord, thank you so much. Thank you so much. Thank you for the new month. Thank you for the gift. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for the grace to see this day. Thank you, Lord, for the 16th day of the crusade and of the fast. Glory be given to you, Father. Glory be given to you, Lord. In Jesus' name, amen. Père, nous continuons à te bénir, à te rendre grâce, oh Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
beaucoup pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de voir ce nouveau jour, d'entrer, Seigneur, dans ce nouveau mois. Et merci beaucoup de nous avoir transportés victorieusement jusqu'à ce 16e jour de jeûne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ô Père, c'est un miracle, ce nouveau jour, le 1er novembre 2022. Ô Père, c'est toi qui nous as transportés victorieusement. Ô Père, merci, merci, merci. Père, merci, merci, merci. Depuis le 17 octobre jusqu'à présent, c'est toi qui nous as transportés, Père. Et nous voyons un nouveau jour, un nouveau mois. Père, merci pour le privilège, Père, d'être, Seigneur, à la croisade, Père, le 1er novembre, Père. C'est un privilège, Père. Oh, Seigneur, merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Père, nous te bénissons. Te rendons grâce. Oh, Dieu, de voir un nouveau mois, d'entrer dans un nouveau mois. Nous te rendons grâce également pour les forces renouvelées dans cette bataille qui est rendue au 16e jour aujourd'hui. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci beaucoup, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu nous donnes la grâce de voir un nouveau jour. Oh Dieu, du mois de septembre, un nouveau mois. Du mois de novembre, Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci pour un nouveau jour. Oh Dieu, du mois de novembre 2022. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Oh Dieu, oh Dieu, merci de nous avoir transportés dans le jeûne, la croisade, jour après jour, jusqu'à ce 16e jour du jeûne. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, amen. Amen. Father, thank you for this day, which is so special, oh God. Special in its kind, oh God. We thank you, Lord, that we have been able to go through the month of October. Oh, Father, we under your divine protection. We thank you, Lord, for carrying us, Lord, from the 1st of September to the 31st, to the 1st of October to the 31st of October, and bringing us, oh God, to the first day of the month of November. We are so grateful. Thank you that it is also the 16th day of the fast, Lord. Thank you for carrying us throughout these 16 days, oh God, in the fast and in the crusade. We are so grateful to you, Lord. In Jesus' name, amen. Père, nous te sommes reconnaissants, éternel Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Oh, Père, pour la faveur que tu nous as encore donnée. Seigneur, de voir ce nouveau jour et ce nouveau mois, novembre. Merci grandement pour ton soutien. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, merci pour ta main protectrice qui nous a portés jusqu'à ce jour. Père, je suis reconnaissant. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Père, que ton nom se soit élevé, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Our God, want to thank you, O God, for your goodness. Want to thank you, O God. O God, for protecting your children, O God. Thank you for this 16th day of the fast that we have just entered. We are grateful to you. We are grateful to you. We are grateful. We say thank you. We say thank you, our God, in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour le don d'un nouveau jour. Merci infiniment, Seigneur. Oh Dieu, pour la faveur et la grâce de commencer même ce premier jour du mois, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci, merci, merci infiniment, Seigneur, pour ce 16e jour de jeûne. Reçois toute la louange et la gloire. Reçois nos hommages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous continuons à te bénir, à te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce premier jour du mois de novembre. Et merci infiniment, Seigneur, pour ce 16e jour de jeûne, de croisade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Nous voulons te dire merci pour ce nouveau mois. Et nous voulons te dire merci de ce que tu nous as transporté dans ce 16e jour de jeûne. Oh Seigneur, nous sommes remplis de reconnaissance. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir porté depuis le premier jour de cette croisade de jeûne et de prière jusqu'à ce 16e jour. Reçois toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint, merci beaucoup, mon roi, mon Dieu,
Merci beaucoup pour ta bonté. Merci beaucoup, parce que tu m'as accordé de revoir encore le nouveau jour, le nouveau mois, c'est en cette année 2022. Merci beaucoup, c'est pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, parce qu'en ce nouveau jour, en ce nouveau mois, Seigneur, tu renouvelles encore tes bontés envers nous, éternel notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que c'est toi qui nous as transportés et tu nous as fait entrer dans ce 16e jour de jeûne, de croisade, de prière. C'est toi qui nous fais entrer dans ce nouveau mois, Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, thank you, Lord, for the privilege to enter to this new day, Lord. A day we've never been to. Thank you for the privilege to see the 1st of November 2022. And we thank you for your goodness, Lord. You've carried us, oh God, from the first day to the 16th of the prayer, crucifixion, and fasting. Glory be given to you in Jesus' name. Amen. Seigneur, nous te disons merci, oh Père éternel, merci. Merci, grand Dieu, Papa, pour ce premier jour du mois de novembre que tu as accordé à chacun de nous, oh Père éternel, de voir. Merci beaucoup pour ce 16e jour de jeûne que tu accordes, Seigneur, à chacun de nous. Seigneur, de traverser victorieusement. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Cette rangée, nous prions particulièrement pour les dirigeants, le frère Tedou et les autres dirigeants dans le ministère. During this slot of the prayer crusade, we pray for Brother Theodore and all the other leaders. Comme nous avons chanté la veille, as we sang a while ago, dans la veille, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. In keeping watch, there is God's responsibility and there is man's responsibility. Il veille, il ne dort, il ne sommeille. God keeps watch. He neither slumbers nor sleeps. Mais le Seigneur Jésus avait dit, veillez et priez aux disciples. But to the disciples, the Lord Jesus said, watch and pray. Donc, parce que si il nous laissait comme ça, on allait juste être relax. Et comme il veut que nous soyons ses confiés, c'est pour ça qu'il veut que pendant qu'il veille, que nous aussi on veille. Because if he didn't, we would have said, really, watch and pray. Nous avons la responsabilité, nous, le peuple, à veiller sur les dirigeants par la prière. It is the people's responsibility. We, the people, that we are, it is our responsibility to keep watch in prayer. Pour notre propre bien. Over our leaders, for our own good. On ne reviendra pas sur tout ce qu'on a lu à partir de la Bible ou des extraits de nos livres pour montrer que quand tu pries pour ton dirigeant, c'est d'abord pour ton propre bien. We will not come back to all the excerpts we've read from the Bible, from books and from the Bible, to show that when you pray for your leader, you are doing your own self good. Mais de l'autre côté aussi, les dirigeants eux-mêmes doivent veiller sur eux-mêmes, comme le Seigneur avait dit à Pierre et aux autres disciples qui étaient avec lui dans le jardin. On the other hand, the leaders must keep watch over themselves, as the Lord Jesus told the disciples. Peter and the other disciples in the garden. Pour ne pas tomber dans la tentation. So that they will not fall into temptation. Bah, s'ils tombent dans la tentation et ils pêchent, because if they fall into temptation and they sin, ils vont ruiner les desseins de Dieu. They will ruin God's purposes. Et ils vont ruiner le peuple que Dieu leur a donné de conduire pour lui. And they will ruin the people God has given them to lead for him. C'est pour cela que le peuple veille et les dirigeants aussi veillent. That is why the people keep watch over the leaders and the leaders keep watch over themselves. On a été à prier un peu comme cela depuis le début. We have been praying for both sets of people from the beginning of this prayer crusade. Mais comme les brebis ont un intérêt particulier, parce que même ta vie physique, ça peut partir si le dirigeant n'est pas là. But since it is to the sheep's interests, because even your life is at stake if the leader is not there. Évidemment, ta vie spirituelle, s'il ne marche pas avec Dieu,
Il ne peut pas te dire que Dieu veut ceci ou cela. Il ne va pas insister sur ce que Dieu veut. Puisque lui-même, il est compromettant, il est dans le péché. And obviously, praying for his spiritual life, because without that, he will be compromising and he will not be able to tell you, this is what God has said, this is what God has said. Non, tu n'as pas. C'est-à-dire que donc, nous avons le risque de notre vie physique, le risque de notre vie spirituelle. C'est ça. Okay? When we don't pray for them, we risk our spiritual lives and our physical lives. Donc, pour cette croisade, nous avons établi que les temps d'ignorance sont passés pour ceux qui ne savaient pas avant l'importance de prier pour les dirigeants. So for this crusade, we have said the times of ignorance is past. Pour ceux qui ne connaissaient pas avant. And for those who did not know before. Que c'est important de prier pour les dirigeants. That it's important to pray for the leaders. Et nous nous sommes engagés. So we committed ourselves. De nous engager chaque jour pour que pendant les 40 jours, que cela devienne pour nous une deuxième nature de prier pour le frère Todo et les autres dirigeants. To take a commitment each and every one of the 40 days to pray for Brother Theodore and all the other leaders. C'est-à-dire, nous avons décidé de nous engager. We have decided to commit ourselves. Et nous le faisons par des proclamations pour que cela devienne une deuxième nature pour nous dans les 40, après les 40 jours de la croisade. And we have been doing it through proclamation so that it becomes second nature for us during this crusade. Parce que nous avons appris du frère Todor, ce que tu fais de manière consistante, systématiquement, pendant 40 jours, cela devient une deuxième nature pour toi. Because we learned from Brother Theodore that what you do consistently for 40 good days becomes second nature in you. Donc nous prions et nous nous engageons. So we pray and we commit ourselves each day to pray for them. C'est l'étape que nous allons faire maintenant. Donc nous allons nous engager encore à prier pour le frère Todo et les autres dirigeants pour notre propre sécurité. That's what we are going to do right away, committing ourselves to pray for Brother Theodore and the other leaders for our own security. Donc nous allons nous lever. So we are going to kindly stand up. C'est, on voulait un peu mettre ceux de nos frères qui sont venus aujourd'hui dans le bain. Yes, we wanted at least to give you a gist of what we have been doing this far. Donc nous allons proclamer. Tu proclames d'abord parce que c'est toi qui t'engages d'abord avant d'engager les autres. So we proclaim you, proclaiming it first of all for us, for yourself, and later on we'll proclaim it for our whole community. Donc nous proclamons, c'est très simple. It's a simple proclamation. Je proclame que je vais prier pour le leader et les autres dirigeants. I proclaim that I'll pray for the leader and the other leaders. Pour ma propre sécurité. For my own security. Donc c'est très simple. C'est simple proclamation. Donc nous allons y aller. We'll try to do it now. Nous le faisons trois fois. And we'll proclaim it three times over. Nous allons partir la première fois très doucement parce que je ne sais pas nos frères qui sont venus aujourd'hui. Peut-être ils n'ont pas l'habitude de suivre ça là-bas. We'll take it gradually for the first time to get our brethren who have just come fit in. Nous allons y aller. Je proclame. I proclaim que je vais prier pour le leader et les autres dirigeants. That I'll pray for the leader and for the other leaders. Pour ma propre sécurité. For my own security. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Donc nous allons faire nos trois fois maintenant. So we'll proclaim it now, three times over. Allons-y. I proclaim that I'll pray for the leader and the other leaders for my own security. Amen. Deuxième fois, I proclaim that I'll pray for the leader and the other leaders for my own security. Amen. Troisième fois, I proclaim that I'll pray for the leader and the other leaders for my own security. Amen. Maintenant, comme nous sommes une communauté où nous voulons que tout le peuple de la CMCI prie pour le frère Todo et les autres dirigeants, nous disons nous pour engager nos frères maintenant. Considering that we are a community and we want to pray for Brother Theodore and the other leaders and commit the whole community into it, we'll proclaim it now saying, we proclaim. Donc, tu vas enlever je, c'est la même proclamation, ne change rien. C'est seulement qu'au lieu de je, nous disons nous maintenant. We'll do the same proclamation
replacing I with we. Ok, nous allons y aller. Je crois que cette fois-ci, on n'a plus besoin d'aller trois fois avant de recommencer. I think we can go take our three times straight away. Allons-y. Nous we proclamons que nous allons prier for the leader and the other leaders for our own security. Amen. Deuxième fois, nous we proclaim that we will pray for the leader and the other leaders for our own security. Amen. Allons-y. We proclaim that we will pray for the leader and the other leaders for our own security. Amen. 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 Asseyons-nous. Let's be seated, please. Parce que si nous le faisons comme ça chaque jour, après 40 jours, quand tu veux même dormir, ça va répéter dans ton cœur, dans ta tête, et tu seras obligé de te lever pour prier. If we thus commit ourselves by proclaiming this way every day for 40 days, it will become part of us. And if you happen to be wanting to sleep without praying for them, you will remember. The proclamations will help you remember and you'll get up and pray for them. Okay. Ceci, c'est un nouveau mois. It's a new month. Nous allons prier pour le frère Theodore et les autres dirigeants. We'll pray for Brother Theodore and the other leaders. Et à partir du psaume 23. With the help of Psalm 23. C'est une manière de veiller sur les dirigeants. It's one of the ways to keep watch over the leaders. Nous avons l'habitude de le faire en dehors de croisades de prière. Yes, we usually do that. Even outside prayer crusades. Donc, c'est pour ça que nous amenons cela pour qu'ensemble qu'on aille parce que c'est une bonne habitude. So we've brought it here so that we can do it together because it's a good habit. Nous allons, comme le temps est tellement en train de filer, on va, je viens lire le psaume 23, s'il vous plaît, on va lire seulement en français. Toi, ouvre sa Bible, c'est mieux qu'on le lise d'abord. We are going to read Psalm 23, but for want of time, we'll do it only in French. Please open your Bible and follow up with the reading. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le psaume 23. Cantique de David. Je lis dans la version Louis II. Amen. Amen. OK. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous allons procéder de cette manière-ci. This is how we are going to do it. Il y a 19 sujets là. We have 19 prayer topics. 19 personnes vont prier pour le frère Theodore étant aligné. Donc ça veut dire il y a combien? 7 rangs souvent. Ça fait 14. Ce sera juste 19. Si tu es la 20e, tu vas t'asseoir parce que donc, en dehors des gens qui sont sur la ligne, commencez déjà à partager pour les dirigeants à ceux qui sont assis. Non, ne donnez pas pour les dirigeants à ceux qui sont en ligne parce que ça va amener la confusion. C'est le okay. même sujet. OK. We have just 19 persons to pray. Oui, 19 c'est persons 9. To pray. Donc quand vous because there are 19 topics. Des rangs où vous êtes jusqu'à 5, 6 là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était juste pour que les autres écoutent. This praying it aloud will help those following online hear us. Comme nous avons les contraintes du temps, on ne va pas prier pour chaque jour du mois de novembre. C'est pour ça que c'est seulement 19 sujets. For time constraint, we are not going to pray for every day of the month of November. D'habitude, quand nous sommes dans les sièges ou les autres réunions, nous prions jour pour jour. C'est pour ça que vous allez voir le sujet et la date. Hier, on a mis la place pour mettre la date. Usually, during the prayer sieges, we pray for each day of the month. That is why you will see space provided for the days of the month on the
topics, in the topics. Mais pour aujourd'hui, nous allons dire le mois. On ne va pas spécifier en disant à la 24e ou bien chaque 24 heures du, c'est-à-dire on ne va pas mettre la date. For today, we'll just pray for the month of November in general. We will not say each of the 24 hours of a particular date. No. Le sujet a trois parties. The bulletin has three parts. Première partie, c'est les actions de grâce pour le mois passé. The first part is on Thanksgiving for the previous month. Donc les gens qui sont sur la première rangée là, vos actions de grâce seront pour le mois d'octobre qui vient de s'achever. Vous n'allez pas prier pour le mois de novembre. So the first seven persons who are going to pray will be thanking God for their month of October. Oui. Et maintenant, c'est à partir de proclamation qu'on proclame pour le mois de novembre, dans le deuxième rang. It is during the second phase. During the second part of proclamations that we will be proclaiming for them for the month of November. Donc, par exemple, premier sujet, Seigneur, merci d'avoir été le berger du frère Théodore et d'avoir veillé pour qu'il ne manque de rien pendant tout le mois d'octobre. Parce que, comme j'ai dit, on ne va pas prendre les dates comme nous en avons l'habitude. Topic 1. Lord, thank you for being Brother Theodore's shepherd and for ensuring that he lacks nothing during the whole month of November, since I said October. We were not. I'm sorry. Please. Lord, thank you for being Brother Theodore's shepherd and for ensuring that he lacks nothing during the whole month of October. Donc, vous êtes qui sont, c'est vous qui allez rendre grâce. So, the first seven persons will be thanking God for his month of October. Donc, vous prenez un sujet. Chacun prend un seul sujet. Tu prends premier 2, 3, 4, 5, 6 et 7. So you pray for topic 1, 2, 3, 2, 7. Seigneur, merci beaucoup d'avoir été le berger du fouet d'or et d'avoir veillé pour qu'il ne manque de rien pendant tout le mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci d'avoir fait reposer le frère Théodore dans de verts pâturages et de l'avoir dirigé près des eaux paisibles pendant chaque jour du mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Seigneur, merci d'avoir restauré l'âme du frère Théodore et de l'avoir conduit dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom pendant les 24 heures de tout le mois d'octobre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lord, thank you for causing Brother Theodore to fear no evil when he walks through the valley of the shadow of death toward the month of October. Thank you for your rod and your staff that comforted him throughout the 24 hours of each day in October. In Jesus' name, amen. Seigneur, merci d'avoir dressé une table pour le frère Théodore en face de ses adversaires, d'avoir ondulé sa tête et d'avoir permis que sa coupe déborde pendant tout le mois d'octobre au nom de Jésus. Amen. Lord, we thank you for your goodness and love that followed Brother Theodore during the 24 hours of each day of the month of October, and which will continue to follow him all the days of his life. Amen. Amen. Father, thank you for sustaining Brother Theodore so that he may dwell in the house of the Lord. Thank you because you enabled him to dwell in your house throughout the month of October 2022. Glory be given to you in Jesus' name. Amen. Habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Lord, thank you for sustaining Brother Theodore. I'm thankful for enabling him to dwell in the house of the Lord throughout the month of October 2022. And thank you, Lord, because Brother Theodore will dwell in the house of the Lord forever in Jesus' name. Amen. Amen. Ok, maintenant nous passons aux proclamations. Donc vous allez juste dire pendant le mois de novembre, tout le mois de novembre, laissez les dates, les 24 heures. Hein, c'est un peu long si on fait comme ça. Move on to proclamation and we still maintain just the month of November. Amen. Nous proclamons que l'Éternel sera le berger du frère Théodore et il ne manquera de rien pendant tout le mois de novembre 2022. Amen. 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 Nous proclamons que l'Éternel fera reposer le frère Théodore dans de verts pâturages et le dirigera près des eaux paisibles durant tout le mois de novembre. Amen. Amen. Proclamons que l'Éternel restaurera l'âme du frère Théodore et le conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom
durant le mois de novembre. Amen. Amen. Nous proclamons que lorsque le frère Théodore marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la journée, pendant tout le mois de novembre, il ne craindra aucun mal, car l'Éternel sera avec lui. Sa houlette et son bâton le rassureront. Amen. Amen. Nous proclamons que l'Éternel dressera une table pour le frère Théodore en face de ses adversaires. Il oindra d'huile sa tête et fera déborder sa coupe pendant le mois d'octobre. Amen. Je reprends. Nous proclamons que l'Éternel dressera une table pour le frère Théodore en face de ses adversaires. Il oindra d'huile sa tête et fera déborder sa coupe pendant tout le mois de novembre. Amen. Amen. Nous proclamons que le bonheur et la grâce accompagneront le frère Théodore tous les jours de sa vie et particulièrement pendant tout le mois de novembre 2022. Et le frère Théodore habitera dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie et jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Amen. Lord, Lord, be brought to us shepherd, and may he lack nothing, O God, during the 24 hours of each day of the month of November 2022. We beg you, Lord, in Jesus' name. Amen. Seigneur, fais reposer le frère Théodore dans le vert pâturage et dirige-le près des eaux paisibles pendant tout le mois de novembre 2022. Amen. Lord, restore Brati his soul and guide him in the path of righteousness for your name's sake on November 2022 in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, grant that Brati will fear no evil when he walks through the valley of the shadow of death through the month of November, for you will be with him, O God. May your wrath and your staff comfort Brati during the month of November. In Jesus' name, amen. 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 Seigneur, dresse devant le frère Théodore une table en face de ses adversaires, oindrisse sa tête et que sa coupe déborde pendant tout au long du mois de novembre 2022. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Ô Éternel, que le bonheur et la grâce accompagnent le frère Théodore tous les jours de sa vie, particulièrement le mois de novembre, et que le frère Théodore établit dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, donc maintenant, on prie pour les dirigeants. Si on ne peut pas aussi prier en rang, ça va nous prendre tout le temps. C'est pour ça qu'on avait dit, comme on avait vu 19 sujets. If not, we'll take a lot of time. Comme le jeûne avance, pardon, prochainement, quand nous vous supplions d'avancer, avancez pour nous. Parce que maintenant, je suis obligé d'aller dans les rangs. Sinon, chacun ne va pas comprendre son sujet. Please, okay. As we move further into votre the past, when ici, you are asked to move forward, kindly do so. Oui. If you had, I would not be standing up now to share our portions for us to pray. Vous ici, vous tous là-bas, et les quatre ici, s'il vous plaît, priez. Votre catégorie de personnes, c'est les missionnaires internationaux. All of you here and the four of you there, you are praying for the international missionaries. Au lieu de dire chaque dirigeant, que tout le monde écoute la catégorie, au lieu de dire chaque dirigeant, tu vas dire chaque missionnaire international, chaque dirigeant provincial, selon la catégorie de dirigeant qu'on va te donner. In place of each leader, you are going to fit in the category of leaders you'll be given. For instance, each international missionary, if that's what you are given to pray for. Donc, vous là, vous êtes internationaux. You are praying for the international missionaries. Les quatre, attends, vous êtes trois. There are three of them. OK. Vous et jusqu'au frère Michael, vous allez prier pour les missionnaires nationaux, chaque missionnaire national. The three of you and the three up to Brother Mike, you will pray for each national missionary. Et vous ici, vous allez prier pour chaque dirigeant provincial dans notre ministère. All of you here, pray for each provincial leader of our ministry. Le frère Enoch. Brother Enoch. Jusqu'ici, vous allez prier pour chaque chef de département.
right up to here. Pray for each. Okay, right to Sister Louisiane. Pray for each head of department. Vous, Aurélie, tu es avec qui, s'il te plaît? Tu n'as pas de partenaire. Parce que je disais, toi et ta partenaire, vous vous joignez à ceux-ci. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de te lever. Chacun a un partenaire. Il n'a pas. Ok, viens alors te joindre à eux. Vous allez prier pour chaque pasteur dans notre ministère. You will pray for each pastor of our, our ministry. Bon, le frère Gaëtan. Ernest. Le frère Moses Adjimé. Brother Moses. Donc vous allez prier pour chaque ministre assistant du frère Théodore. We pray for each ministry assistant frère of Brother Ambroise, Theodos. Tu n'as pas de partenaire. En tout cas, je vous compte. Tu es ici, hein. Tu n'es pas avec eux. Frère Ambroise, s'il te plaît, si tu n'es pas avec eux, vous priez pour une autre catégorie. Ici, vous et vous, s'il vous plaît, vous allez prier pour chaque dirigeant d'assemblée de maison. From Brother Ambroise, right here, you pray for each house church leader. Et vous allez prier pour chaque dirigeant des jeunes et des étudiants, chaque dirigeant des jeunes et des étudiants. You pray for each youth and student leader. Vous allez prier pour chaque ministre aux enfants. You pray for each minister to children. Et le frère Elvis, vos pères, vous allez prier pour chaque chef de centre dans notre ministère. Sister Anne and Brother Elvis' père, you will pray for each Elvis. Head from Elvis. Okay, Brother Elvis' père. You will pray for each head of center. Et le frère Eric. Brother Eric. Okay, yeah. Encore certains de nos choristes qui sont éveillés. Et vous, s'il vous plaît, Marité, approche-toi alors d'elle comme vous êtes éveillée. Les autres se reposent. On comprend, vous avez voyagé. Mais comme vous êtes vaillante, on vous donne. Vous allez prier pour chaque ancien dans notre ministère. You pray for each elder tu as in le our sujet. Ministry. Vous avez le sujet. Ok, vous et nous allons prier pour chaque trésorier dans notre ministère. Là, on a dit chaque dirigeant, tu mets chaque trésorier. We pray for each treasurer of our ministry. Okay. Fit in. C'est le mois de. Your category. Oh, j'ai oublié. J'espère que vous vous rappelez que Action de grâce c'est pour le mois d'octobre. Proclamation et requête c'est pour le mois de novembre. Please, I hope. I'm sorry, I didn't tell you. I remind you. I hope you remember that. Thanksgiving concerns the month of October. And then proclamations and prayer are for the month of November. Merci. Thank you.
a fini, tu lèves. Please, if you finish praying, lift up your prayer bulletin. Amenez déjà les veilles, s'il vous plaît. Que quelques personnes seulement ramassent. Pourquoi vous donnez les deux veilles? And distributors, while a few persons are collecting what we have just finished praying with, come and share us the bulletins on keeping watch. Ceux qui vont veiller sur le frère Todo aujourd'hui, comment on fait la rotation? C'est ceci. Là où se trouve le frère Ambus. Since we rotate each day in our praying for Brother Theodore, those on Brother Ambus, oui, on Brother Ambus's row are those to pray for Brother Theodore today. Les autres, on va vous donner les autres dirigeants et nous allons vous dire comment vous allez prier. For the rest of us, we'll pray for the rest of the leaders and we'll be told how to pray for them. Le bloc ici, vous allez prier pour les dirigeants de l'église du quartier général. Ceci, c'est encore tout ça. Over here, pray for the leaders of the headquarters church. Donnez les deux bulletins à la fois. Please comme give nous faisons d'habitude. Bulletins on watching. Chaque dirigeant de notre ministère au Cameroun. Pray for each leader of our ministry in Cameroon. Ici devant. Those of us here.